Et bonjour la France. Alors, bienvenue chez moi. À chaque fois, je dis vive la France et la France. Bon, là, on est chez moi à Los Angeles. Donc là, ben, oui, on est dans mon salon. Et oui, j'ai deux sapins de Noël, un pour mon fils, un pour la famille. Donc, je fais cette vidéo tout simplement pour vous remercier énormément de cette fin d'année. Avoir créé cette chaîne YouTube, pour moi, c'est une chose qui était super bien. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Et ça prend autant d'ampleur parce que c'est grâce à vous tout simplement. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Le support que j'ai, il est hyper puissant. Et ça me fait énormément plaisir à chaque fois que je tourne des vidéos, de ressortir tous les commentaires. Parce que sachez que les commentaires, je les lis tous. Je peux pas y répondre à tous, mais je les lis tous. Donc quand vous écrivez quelque chose, sachez que je les lis. Donc là, je fais une petite vidéo de chez moi. On était une partie du salon. Donc là, ça c'est ma cuisine qui est derrière. Là, on est dans une place. Les gens me demandent, vous avez rue de la Farouette. C'est là où j'ai grandi, le quartier de la Farouette. Donc les gens me posent souvent des questions. Jean, donc tu dis que tu as plusieurs business, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. Vous voyez le langage que j'ai là, c'est un langage qui est différent quand je sors le chien. Pourquoi? Parce que quand je suis dans mon bureau, je suis quelqu'un qui est différent. C'est-à-dire, la boxe, le club de boxe que j'ai en fait, je ne gagne pas ma vie avec ça. Je ne viens pas riche avec ça. Je gagne l'argent avec ça. Mais ce n'est pas ma source numéro un de revenus. J'ai plusieurs business ici aux États-Unis. J'ai ma marque de nutrition. Je vends des livres, je fais des séminaires, je fais des coachings, mais aussi je coach beaucoup de gens. J'ai des avocats, des chefs d'entreprise, des célébrités, des athlètes de haut niveau qui viennent me voir pour se faire coacher pour moi, pour comment devenir, pour avoir une meilleure performance, pour comment réussir leur boulot, pour comment, quand ils ont des challenges en fait, comment faire pour réussir ces challenges. Pourquoi? Parce que bon, moi depuis 2004, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer une personne qui s'appelle Jim Rohn. Et comme je dis dans mes vidéos, il est hyper important de toujours rendre crédit ou rendre à César ce qui appartient à César. Moi, mes clients savent qui m'a formé, qui m'a coaché et je lui rends toujours honneur. Mon mentor, c'est Jim Rohn. Jim Rohn est décédé. En 2009, Jim Rohn, c'est celui qui a tout simplement formé et coaché celui qui fait le développement personnel qui s'appelle Anthony Robbins. Donc, Anthony Robbins était formé par lui, moi j'étais formé par lui. Et donc, de 2004 à 2009, j'ai travaillé avec lui, j'ai fait tous ses séminaires, j'étais coaché par lui. Et il m'a montré tout simplement un système, une philosophie de vie qui m'a changé, mais qui m'a fait avancer dans ma vie. Donc, je vous fais un petit peu visiter mon bureau. Ben, vous voyez la hiérarchie là. Bien sûr, la boxe, ça m'a aidé énormément. Donc, sachant que je suis aux États-Unis, en 96, je travaillais au noir, j'étais payé 10 euros par jour, pas de l'or, par jour, dans un club de boxe. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc là, je rends toujours crédit, comme je dis, je rends toujours crédit aux gens qui m'ont aidé. C'est hyper important de toujours donner respect aux gens qui vous ont aidé. Mon mentor Jim Rohn, il m'a aidé énormément. Donc, je vous montre un petit peu mon bureau, vite fait, vous allez voir un petit peu ce que je fais. Donc là, et encore une fois, mes clients, quand ils viennent me voir, ils sont coachés dans mon bureau, ils voient, je n'ai pas honte de montrer qui m'a coaché, j'en suis fier, parce que c'est un honneur pour moi, et je rends toujours honneur aux gens qui m'ont aidé. Donc là, je vais vous montrer quelques vidéos, quelques photos, pardon. Donc là, bon, mais ça c'est ce que je vais m'acheter bientôt. Ça, c'est ma femme et mon gosse. Bon, là, ça, c'est la Bible. Ça, c'est Thomas Edison. Ça, ce sont des règles, des commandements, des règles du succès. Ça, c'est pas un commandement. Ça, c'est un show télévisé que j'ai fait qui est immense ici aux États-Unis. Bon, là, nous avons Chuck Norris, James Mineshack. Ça, c'est Brian Tracy. C'est quelqu'un qui est très connu aussi. Brian Tracy. Là, après, vous avez Napoleon Hill. Ça, c'est un certificat de Jim Rohn. Ça, c'est de John Maxwell. Ça, c'est ma mère, mon fils. Ça, c'est Nicolas Cage. Ça, c'est John Maxwell. Ça, c'est mon mentor, Jim Rohn. Après, bon, là, vous avez Bruce Willis, Mike Tyson avec mon fils, mon mentor Jim Rohn, certificat de Jim Rohn que j'étais coaché par lui, Clement Stone, Enrique Iglesias avec ma femme, Dennis Wheatley, ça c'est Stallone, une question qu'il a dit qui a été hyper important. Ça c'est j'ai grandi dans mon quartier, encore une fois, on est à Jim Rohn, mon mentor, Jack Canfield, c'est celui qui a écrit Chicken Soup for the Soul, Bruce Lee, bien sûr, qui a affecté énormément. Et là, vous voyez mon mentor Jim Rohn, Jim Rohn, Jim Rohn, Jim Rohn, Jim Rohn. Ça, c'est quand j'ai fait des conférences, quand je parlais. Ça, donc, c'est une photo de moi très jeune. Bien sûr, Bruce Lee, Randy Couture, James Manishak, Bob Wall. Et puis après, vous voyez, ça, c'est une partie, en fait, de ma librairie. Voilà, je fais une visite. Là, c'est le matin, j'ai fait mon cardio. Je regarde toujours ma télévision, je regarde mes programmes. Et ça, c'est mon fauteuil. Ça, c'est mon Pichu qui est toujours avec moi. Voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo, privée en fait de mon bureau. Là, je passe la majeure partie de mon temps. Donc, quand les gens me disent, Jean, mais en fait, tu fais ça pour être connu, etc. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça parce que
Je le fais parce que ça me fait plaisir. Je le fais parce que je supporte que j'ai les gens qui m'envoient des messages, ça me touche énormément. Je le fais pas pour l'argent. Les choses, ça vient clair. Donc là, je vous ai fait une vidéo, c'est le soir là. Je vous fais une petite vidéo de demain aussi, du reste de chez moi. Vous allez voir un petit peu. Et encore une fois, j'espère que les pendules sont mises à l'heure. Quand vous commencez à avoir l'habitude de me connaître, si je ne fais pas ça. Je suis très direct, je dis les choses telles qu'elles sont. Mon langage est différent. Pourquoi? Parce que quand je rentre dans mon bureau, j'ai un langage qui est différent. C'est une habitude que j'ai. C'est-à-dire que quand je suis à la salle de boxe, je parle un langage différent. Quand je sors le soir, j'ai un langage différent. Je suis toujours la même personne, mais je m'adapte à la position où je suis. Donc, sachez que moi, tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Je suis très direct. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour dire ce que je pense. Et ceux qui adhèrent sur mes principes, etc., ben, c'est super bien. Ça me fait énormément plaisir. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour on deviendra amis aussi, quoi. Quand moi je viens en France, je vous le dirai quand je vais en France, vous êtes les bienvenus, venez me rencontrer, ça me ferait énormément plaisir de vous rencontrer. Je suis tout seul, ou peut-être des fois je suis avec ma femme ou mon gosse, ou un de mes boxeurs, mais je suis accessible, je parle à tout le monde. Quand je vais aux toilettes, je suis comme vous, j'ai la même position que vous, donc je pète pas plus haut que mon cul. Voilà, donc je vous remercie encore une fois, je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de Noël. Suivez-moi sur Instagram, Jean Cario, bonjour la France. Et puis, encore une fois, passez un super Noël. Et puis, je vous donne rendez-vous donc à ma prochaine vidéo. Encore une fois, merci d'avoir passé le temps d'avoir visité un petit peu mon chez moi, mon endroit personnel, parce que c'est vraiment personnel. Et voilà, maintenant, vous savez un peu plus sur moi, sur ce que je fais dans ma vie. Et que la boxe, bien sûr, c'est ma passion, mais je ne gagne pas ma vie avec la boxe, je gagne ma vie avec des business que j'ai à côté. Je vous embrasse à tous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.